Shalom, shalom à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Djuri Ben Hachem. Je viens devant vous aujourd'hui vous présenter des idées. Des idées qui peuvent faire avancer, du moins faire connaître sur le plan technologique notre pays, la Côte d'Ivoire, du nom spirituel qui est le pays de l'Ivoire, la terre d'Ivoire, le nom qui est donné. Et je viens ce soir vous soumettre, vous dire, vous donner des projets de construction sur le plan technologique, sur le plan spirituel et sur bien d'autres activités. Comme je disais, Dieu a pris un exemple, papa. Je prends parmi les exemples le cas de Joseph. Celui-là même qui est quitté comme esclave vendu par ses frères et devenu gouverneur, on n'est pas dit le premier ministre de Pharaon. Ce projet dont, ces idées dont je vais vous parler aujourd'hui, fait allusion à cela. Le côté mystique, du moins le côté spirituel de ce projet, permettra à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos étudiants, tous ceux qui interviennent dans le monde pour faire valoir et pour que la Côte d'Ivoire devienne. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire, comme on le dit, des histoires passées. Pour dire non que oui, celui-là est comme ça, celui-là comme ça. Non, il est grand temps que nous construisions notre nation. Et la construction de notre nation a besoin des hommes capables de donner des idées pour pouvoir faire évoluer notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui ce soir je m'adresse à vous pour que d'un commun accord nous travaillons ensemble. Tout ce que je vais vous dire, ça c'est une première partie que je suis en train d'énumérer. J'ai des plans de construction, j'ai des plans technologiques en matière d'armement, j'ai des plans technologique en matière de la santé, de l'économie, dans beaucoup de domaines que j'aimerais partager avec vous. Je suis en train d'élaborer ces plans sur dessin, à dessin, pour pouvoir présenter un jour, si l'occasion m'est donnée, de démontrer par A plus B ce que je suis en train de dire. Je suis à ma première présentation. Quand les conditions seront réunies pour moi, je vais vous présenter les choses comme il se doit en direct avec les questions que vous voulez poser. Préparez-vous, car la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse, de ses enfants, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines qui sont. Qu'il en soit ainsi, en ce moment. Je vous remercie.